Salut Soyons, ouais, voici Captain Fleur de l'esprit, comme son nom de champion, mais ça sort pour une nouvelle aventure sur Hollow Knight. Et voilà. Oh, on voit Zot. Hey toi voyageur, tout en pis, regarde où tu vas, je ne veux pas que tu m'éclabousses. J'ai déjà passé trop de temps comme ça à essayer de rester sec. Je suis Zot, redoutable, un cheville de grande renommée. Si je décide de rester sec, alors je resterai sec. Maudit soit cette fille misérable de loups et des monstres tombent constamment en haut. Ce n'est pas étonnant que ce satané royaume tombe en ruine. Mais pour. Dans la dernière vidéo, on a amélioré notre épée. Qui était primordial pour passer la suite parce que sinon vous ne serez point là, un les ennemis vous allez avoir plus de difficultés mais l'ennemi pour okay. Tout ce qui est fun c'est qu'on peut tuer une ici mais aussi l'ennemi qu'on peut rencontrer est quand même assez difficile. Puis pour pouvoir faire de quoi pour le vaincre, il faut vraiment. Absolument améliorer, sinon pour l'avoir fait sans, c'est pas évident. On a une clé simple. Quand je dis pas évident, mais vraiment pas évident. Non, on va devoir aller par là. Avoir un journal de vagabond. Et voilà. Le combat est imminent dans ce cas-ci. C'est circonstance que je me suis mis. Je voulais lutter, mais finalement est imminente. Quand même, ça on paye, mais ça coûte un peu plus cher. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres dialogues. C'est fou comment on est habitué, on n'utilise pas tout le temps le coloptère. Quand j'ai commencé, j'utilisais tout le temps le coloptère. J'utilise moins. C'est fou. Je fais ça, mais je me demande vraiment est-ce nécessaire. Oui, parce que ça nous débloque de quoi que nous allons aller un instant. C'est puis rendu, on peut se rendre une place qu'on pouvait pas aller avant d'ailleurs.
C'est important pour le suite pour avoir 100%. Si vous voulez voir c'est quoi où ça mène ceci. Il y a rien, je me demande si elle quoi. Vous vous souvenez ça? Voilà. Si on aurait été là, ça aurait été, il n'y aurait pas eu les portes ouvertes. Il aurait fallu absolument payer pour ça. Mais par contre, une chose, une chose que je me demande toujours. De toute façon, il y en a un accès là. Vous voyez que je suis, c'est un accès aussi pour à côté, on a les grottes. Pourquoi? On nous bloque ceci, je ne le sais pas, mais est-ce que ça débloque? Je ne le sais pas, mais c'est plate. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la surface. Et comment? Comme vous pouvez voir, je ne peux absolument rien acheter parce que j'ai déjà tout acheté. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, pas pour nada. Même affaire ici, j'ai déjà tout acheté. Demandez sûrement c'est quoi ça, mais soyez étonné ou non, on y va. Ah, mais sourde. Ça aurait été très difficile, ça aurait été le moyen le plus rapide. Mais. Et que vous. Faut y aller par là. Parce que où que je vais aller, ça aurait été plus rapide. Parce qu'on va devoir aller là pour aller où que le banc tout en bas. Parce que l'inverse, on peut pas le faire. Voilà. Que c'est, il faut abs. Je pense que ça aurait été plus rapide par là. Passer par la porte. Mais non. C'est celle-là qui est plus rapide pour faire tout. Ok. Mais là, c'est vrai, je repense à ça. Vous vous souvenez? Oh, il y a un endroit qu'on peut pas y aller tout de suite. Maintenant, vu qu'on peut grimper ces murs. Oups. Nous pouvons y aller. Si je réussis à l'avoir sans me blesser, me faire mal. Bon. Le propos,
mourir bêtement. On va prendre ceci. Quand même, faut pas être fou non plus. C'est ça, le sort que j'ai là, de la carapace, je vais vous montrer où aller chercher. Ah! Ça, ça fait mal aux oreilles. Enfin! Et une vie supplémentaire. Puis qui nous restaure notre vie au complet. Ici, il est comme une espèce d'oiseau. Si les lions ont été votés entre deux terres ou poussent des bulles d'un côté et se transforment les brumes de l'autre. Mais aucun de ces endroits ne me semble particulièrement accueillant, alors je pense que je vais rester ici et profiter de mes petits plaisirs. Ça fait du bien pour entendre des miam. Ça m'énerve, ça me fait mal aux oreilles. Là, je vais vous laisser parce qu'il faut passer par là. Allez, à la suite. Non, par là par contre. Bon, je vous laisse. Autre chose ici. C'est de quoi? On va pouvoir y aller. On peut y aller tout de suite. Je sais plus non, parce que kit. Mais on va y revenir. De toute façon, c'est un journal du vagabond. On va y revenir, pas pressé. Mais ici, par contre, c'est vrai, on peut toujours le combattre si vous le souhaitez. Mais vous êtes en pot. Alors, je vous laisse quand on va être en d'abord. Vous avez vu ceci? Trois coups au lieu de... Ouais, trois coups au lieu de deux. Quand on monte, malheureusement, ça vient trois coups. Est-ce que vous vous souvenez de celle-là? Je ne sais plus si on en avait été, mais... On a profité, méthode de la sérénité. Voilà. On sait plus si on est. Nous avions. Non, on n'avait pas été là. Mais dans le fond, on a. On a ça là, à aller chercher. Bon, je vais, ce sera plus du sens. C'est la seule façon de tuer, malheureusement. Faut attention.
Oh, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Avez-vous oublié qui je suis? Je m'en doutais, tout le monde m'oublie toujours. Oh, qui êtes-vous? Votre visage, vous êtes tellement, tellement... Je suis désolé, je me suis perdu, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Vous êtes venu sauver moi, Beretta, les filles que tout le monde ignore. Je suis désolé, quand je regarde votre visage, je peux à peine... Je n'arrive tout simplement pas à croire que vous êtes venu jusqu'ici pour me sauver. Je n'arrive jamais... J'aurais jamais pu penser que ce soit. Je suis désolé. Je vous ai... Merci, je vous ai... Je ferai mieux de passer... Je vous ai... Je ferai mieux de retourner en ville. Je ferai mieux de rentrer à la maison. Et ouais. Au moins, nous avons eu un nouveau charme. Au moins. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est un méchant détour. Vous savez l'ascenseur, la porte que je suis. Ce serait tellement bien que qu'on aurait pu débloquer là, mais je sais pas si on la débloque. Si on la débloque, est-ce nécessaire de la débloquer? Rendu là. On retombe plus dans cette zone. Pendant un bon bout. Parce que la prochaine fois qu'on va aller dans cette zone, c'est pour affronter les chefs. Je vais te comparer. Ça va, faut être rapide. La prochaine fois que nous allons retourner là, il faudra affronter les chefs des... ces bébêtes là dont je vous pied dedans. Waouh. Comment tu as oublié ça? Et je pensais vrai. Plus du nom, je l'avais. Mais je me souviens du nom. Il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est fou comment la mémoire travaille. Là, le problème, il faut que je remonte tout en haut parce que c'est le chemin le plus rapide. Faut aller où qu'on nous étions. Parce que je peux pas aller dans l'autre côté comme ça. Malheureusement. Plus tard, oui, par contre. Mais pas pour l'instant. Ce qui est plate. Plus tard, ça aura plus bien d'utilité. Vous voyez, cette porte-là, c'est la porte de l'ascenseur, dans le fond. J'aurais juste passé par là. C'est tout. Je suis obligé d'aller jusqu'à la station. Peut-être la reine. La station de la reine. Faut tout le grand chemin. Ah, ok, je vous laisse quand je serai là. On ne sait pas. Bon, nous sommes revenus. Ici. Là, ce que nous allons devoir faire. Je l'ai fait mal, mais je me suis protégé. Allez, viens ici. Pfff.
me suis bien protégé. Là, ici, il va y avoir un événement. Facile! Je vous garantis, si vous avez pas amélioré votre épée, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça, c'est parce que, justement, parce que j'ai amélioré mon épée. Sinon, je l'aurais jamais eu. Ceci, c'est une porte dont une clé qu'on va devoir... On va pouvoir obtenir plus tard. Celui en haut, ça change rien. Et je vais partir. Parti vite. Cornelius. Ça est efficace. Mais celui-là, laissez-le en bas. De toute façon, il faut aller par ici. L'affaire, c'est qu'il se téléporte tellement tout le temps. C'est pas évident. C'est facile là. C'est rendu facile quand on sait se battre toute la quête. Ça débloque la porte en haut. Registre d'abord. L'esprit nous limite encore. Comment passer au-delà de telles contraintes? Est-ce seulement possible d'atteindre l'éveil véritable? Ça aurait l'air que c'est des savants fous. Ça aurait l'air. Puis maintenant, je comprends pourquoi j'avais autant de misère à vaincre ceci, parce que là on va vaincre un monstre. Mais ouais, de toute façon ça va te prendre du temps afin de continuer. Dites-vous que je l'ai vaincu avec, je pense, une vue de moins, puis l'aiguillon non amélioré, je peux vous dire. Et fasquin, c'est que ça cesse et le porte tout le temps. Et je l'ai eu. Pour le 2 du premier coup. Je vous dis que la première fois c'était plus. Je l'ai pas eu du premier coup. Non, celle-là. On n'aurait plus besoin. Ah oui, c'est là en haut.
pour débloquer ça. Je comprends pourquoi c'était aussi difficile que ça. Ben, je vous jure que j'ai trouvé ça difficile. Pas à peu près là. Pour rien qu'un peu là. Énormément. Vous prenez une éternité pour vaincre ces fantômes, comme vous avez vu. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... Écoutez une vidéo pour avancer. Sans cette vidéo-là, je pense que j'aurais... J'aurais peut-être plus de difficultés. Pour ceux que je sais, c'est quoi? J'ai l'histoire au complet. Hey. Voilà. C'est pour ceux que j'ai l'histoire au complet. D'accord, j'ai écouté une vidéo. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Pour cette dernière vidéo que je tourne aujourd'hui d'ailleurs. Depuis la première vidéo, j'ai tout fait ça la même journée. Et ouais. Tourner, pour monter, comme ça je suis prêt. Ah pour ça, j'espère que vous avez aimé cette aventure parce que moi oui, j'ai hâte de continuer la suite. Ah pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'île. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dans tout mon monde. Bienvenue. Ah pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.